You felt that, right? Hallelujah, Ave Maria, you piece of shit! Ils sont complètement éclatés. Jesus Christ, his only son. You marionette! Ils sont complètement fumés, ces persos. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur Priest Simulator. Alors, c'est un jeu complètement éclaté, clairement. Bon, d'abord, il sort le 6 octobre, donc j'ai pu le tester en avance, donc merci aux devs pour la clé, ça fait toujours plaisir. Et j'ai passé quelques heures sur le jeu et je me suis marré, mais tout du long. Vraiment, mais il est complètement absurde ce jeu. Ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Alors, déjà, il sort sur PC, comme je vous ai dit, le 6 octobre. Possible sortie sur les autres plateformes, à voir, en courant de l'année. Alors, c'est un jeu qui sera amené à se développer dans les prochains mois. Là, on sort quand même avec pas mal de missions, une trame principale, quelques quêtes secondaires. Mais clairement, voilà, la map, elle va grossir avec tout ce qui va avec. Donc encore du contenu complètement what the fuck à venir. Et surtout, peut-être, on l'espère, le français, parce que le jeu actuellement n'est qu'en polonais ou en anglais. Et bon, du coup, je l'ai mis en anglais, hein. Je maîtrise quand même un peu mieux que le polonais. Déjà que l'anglais, c'est pas ça. Et le peu que j'ai compris, les dialogues sont complètement allumés. Ça part dans tous les sens. Ça, voilà, je vous le redis, mais vous allez l'entendre souvent, parce que c'est n'importe quoi, vous allez voir. Alors, pour situer un peu l'action, voilà, on est un vampire qui se retrouve malheureusement ou heureusement, on ne sait pas trop, prêtre d'un village, voilà, donc c'est déjà rien que là, c'est un peu what the fuck, et il doit se battre contre une espèce de secte de satanistes. Alors, pour bien se battre contre les satanistes, eh bien, ce qu'il faut, c'est augmenter l'influence du christianisme dans la région. Donc, alors, pour ça, on doit réparer l'église, on doit faire des exorcismes, des sacrements, nettoyer des tags, ouais, et casser des bouches à la chaîne. Mais clairement, on ne fait que ça. Ça tabasse dans tous les sens. L'histoire part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Il y a des rebondissements, vraiment, mais dans tous les sens. Ouais, il n'y a pas une scène qui est pas complètement what the fuck. Ça parle de drogue, ça parle d'alcool. On a des armes, voilà, on a aucun respect pour les défunts, on casse des tombes, enfin on détruit tout, quasiment tout l'environnement qu'on peut, faut l'éclater. Enfin c'est du grand n'importe quoi. Alors après, le personnage, lui, va évoluer en fonction de l'influence qu'on a, donc on peut le renforcer, on peut améliorer ses armes. Alors on a deux mains, donc on peut prendre deux armes à la fois, donc ça fait un petit gameplay qui est varié, qui est assez sympa, on peut s'adapter quand même à pas mal de situations. Il y a des armes qui sont complètement pétées, d'autres qui sont extrêmement fun, Franchement, vous aimez l'univers complètement absurde, complètement what the fuck, mais ce jeu il est fait pour vous, hein, clairement. C'est si vous comprenez l'anglais, pour vraiment se mettre dedans, faut vraiment bien comprendre l'anglais. Il y a des insultes à tout va, enfin c'est n'importe quoi. Non, franchement, l'histoire est bien menée en plus, elle est bien montée. Comme je vous dis, on s'ennuie pas, il y a plein de rebondissements, donc c'est vraiment une super découverte, bien marrante. Moi personnellement, j'y ai passé, je crois, 3 ou 4 heures. Si vous maîtrisez l'anglais, il y a moyen que vous vous mariez. Sinon, honnêtement, attendez peut-être une sortie FR pour vraiment prendre tout le potentiel du jeu. D'autant plus que là, je pense qu'il y aura encore plus de quêtes et tout ça. Mais c'est un jeu solo, c'est dommage. Mais en même temps, on le verrait mal en multi, clairement. Mais non, franchement, prenez-le, vous allez vous éclater. La première version du jeu qui a été faite par le même studio a des notes extrêmement positives. Et alors dans leur genre, hein, voilà, c'est vraiment comme ils le disent, ils assument le genre complètement what the fuck, complètement décalé. Mais surtout, ils l'assument, mais ils le maîtrisent. Voilà, c'est super bien fait. Donc, je comprends que ce soit extrêmement positif. Et je pense que cette version-là va au moins prendre le chemin du très positif. Donc, eh bien écoutez, mettez-le au moins en wishlist ou suivez-le et dès que vous avez l'occasion, prenez-le. Surtout, voilà, pour ceux qui ne sont pas adeptes de l'anglais, prenez-le à sa version FR. Je pense qu'il va être délirant.
Bon, vous avez vu, il y a quelques images derrière. Là, je vous laisse avec quelques extraits où je suis mort de rire, où ça part complètement dans tous les sens. Et puis, bah, écoutez, les amis, on se dit à très vite et pour, j'espère, d'autres jeux excellents comme ça. Allez, à bientôt. Hell is my playground. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? We fight for splendor. Humiliating each other and tormenting the damned. I am an immortal vampire, the rising star of the infernet. You come up with a challenge. I do the job. Break this, break that. I don't give a fuck. All I care about is fame. I am still too low in the ranking. But someday, I'll have the money for us to move to a different circle of hell. My creature. About whom? If you wanna become a popular tyrant, you better have a creature. No creature. No likes. No likes. No splendor. This is my beloved, Vamela. I'm a celebrity singer. I was supposed to perform at a benefit at Bebox, but Gruzia will play instead. I hate buskers like that. So you're planning to ruin the party. Two birds with one stone. Eh ben, ça met dans l'ambiance, hein. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ouais, ouais, ouais. Aïe. Don't fuck. Je frappe fort. Aïe. You got what you deserved. Mange ça, ouais, je viens. Good for you. Ah d'accord, pourquoi je reste sur place? What the fuck? You got what you deserved. Oh, ça fait quoi? Je peux avoir un tuto. Mais ouais, si c'est le web, il va être. Rien compris. D'accord. Ça commence bien. C'est plutôt pas mal. Okay, mais c'est haut, dis donc. Ah, il défonce tout. Toile d'araignée, ça compte? Non. Welcome. Oh, en tout cas, c'est joli ici. On va peut-être pas péter tout le mobilier quand même. Qu'est-ce que on fume le chicha? Ils sont sérieux là? Ouais! What the fuck? Oh! Wow! Ah, mais les devs ils se sont lâchés! Excellent! Je sais pas si on fera plus fort, mais. Yeah! Qu'est-ce que c'est? Ah, j'y vois rien. Et je sais pas. Inverse all the cross on the church. Ok. Ok. On peut là. Aïe. Oh. You're blocking the door. Ah, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Ah, bah, je vais être propre comme ça. Et je vais pas me faire tout le gameplay. C'est excellent. Waouh. Ah, faut pas être épileptique, hein. Alors, j'en avais placé une ici. Ok. Ah, ça y est, l'effet s'estompe. Voilà, maintenant que je fais du nettoyage. C'est n'importe quoi ce jeu. Et ils ont fumé les devs. Sérieux. Ah, foiré quoi. Allez, on va nettoyer tout ça. Voilà. C'est. Mais. Voilà. On va aller à l'étage, hein, ça se trouve, il y a d'autres trucs à l'étage. Ah, peut-être. Est-ce que. Ah ouais, ça aussi. Ok. Ok. Elle va être belle cette église, dis donc. Ok.
si j'ai ressources nécessaires, je peux augmenter mon équipement. A red blueprint. When I go back to hell with such weapon, the infinite will burn. D'accord. Où c'est qu'on peut le crafter? Normalement, ça va être des ressources de recyclage, je pense. Ah, peut-être là. Ok. Ah, dans le four. Oui, d'accord. Eh ben. Oh, ben, il met ça au four et nickel. Nice. Charging weapon. D'accord. Ah, mais j'avais une batte de baseball, elle est passée où? Ah, j'ai que 30 utilisations. Qu'est-ce que je peux nettoyer? Ce serait marrant. Hein. Obey your master. Ah, d'accord. Mais j'ai pas de bouteille. Ok. Ouais, c'est bien ça. J'ai que 30 utilisations. On va éviter de faire le con. Ok, ça, c'est des paires de gants. Par contre, Ah, voilà. Je peux reprendre quand même ma batte. Ok. Nice. Lord, who was conceived by the Holy Spirit. Obey your master. I call Obey for your master. D'accord, faut que je les bénisse. Save us from ils sont evil. Complètement éclatés. Obey your master. D'accord. Ah, maintenant, faut que j'aille défoncer du méchant. Oh, super, vas-y. Et en plus, tu peux tout nettoyer ici. Il y a un petit côté écologique du jeu, là, c'est sympa. J'espère qu'on peut pas péter la patte de baseball. Ouais, non, mais rigolez, les gars, mais j'ai besoin de tuer. Enfin, c'est plus un recyclage à chaque fois, donc je suppose qu'à bout d'un moment. Hein. Je suis pas sûr qu'on puisse le péter. Si, mais. J'ai pas eu de l'air. Oh. Recyclage. Ah si, 10, ouais, trop bien. Trop bien. Ok. Allez. Je vais m'amuser à tout péter dans le jeu. Allez, on n'est pas là pour ça. On est là pour défoncer du méchant. Ils nous disent qu'il y en a par là. Oh oui. Oh oui, il y a du vilain pas beau là. Allez, venez là. Ils sont mes débiles. Oh là 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 là. Ils sont pas rapides, hein, par contre. Hello! Love is the law! Allez, love under Jesus! You missed everywhere! You missed! 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 Ils en ont tué un des miens. This village deserves flood. Il est pas costaud, hein. Ah, ben on peut nettoyer l'abribus. Je sais pas ce que c'est bon. Alors ça, oui, on peut dégager. Voilà. Le chien. Là, on vient de défoncer l'abattant et tout. Pickle. Voilà. Hein, côté écologique. Alors, je crois que... Non, R. Nettoyer. Voilà, regarde. Oh. Yo. Je sais pas ce que j'ai gagné, mais je suis content. Ok, petite croix. Non, même pas. Ils me suivent pas, les débiles là. D'accord, donc là maintenant on doit rénover. Rénover la. Le... Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va rénover le. Ah ouais, là où il y avait le bus. Ok, on teste hein, de toute façon. Allez. Qu'est-ce que ça va faire? Oh the fuck!
un christianisme et tout. Confess. With a score at least. Ok. What the fuck, man. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Je crois qu'il faut répondre à... Oh là là. Ah, d'accord. Ok, j'ai tout foiré. C'est nickel. D'accord. Faut vraiment que je réponde. Perhaps you'd like something in place of the powers I took from you. Are you there? I am, but I can't believe what you're saying. And you didn't play the song when I asked you. Shut your mouth. You ruined my life. I'm giving you a last chance. An exorcise me right now, or I will ruin your life. Fuck it. I'll try, but it will be difficult. Okay, listen. Hoho lives in a barn nearby. Tell him to stop selling the totems. We're gonna need them. I think the line is breaking up. I could swear I heard you ordering me around again. If you're gonna doubt my methods, it's all going to fall. I need your absolute trust. A decent confession is the best cure for a hangover. The doctors gave me no chance. No one confesses like Cardinal Cremovanit. But Father Orlok has some potential. Confession is like a reset of some sorts. I've done something stupid stuff, and I was afraid of consequences. Father Orlok made it possible for me to start my new life anew. And so it goes over and over again. God bless. I'm giving away holy pictures. How much? A prayer in my intention should be enough. Well, I don't know. We've already said our prayers today. What would I need this for? It just got a dose. Well, then I'll just give them for free. Well, I'm gonna take three then. One for my sister. Obey your master. I believe in God. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Changer l'heure du jour et tout, what the fuck. Je pense que je défonce tout dans ce jeu. Là, je t'attends avec lui, c'est vachement fatigué. Ouah, même le parasol. Vas-y, le parasol, dégage. Ouais, trop bien. And if you're Erika Fucker, what the fuck it means? You're alright. I'm right, and you're... I'm right. You're alright.
Ok, oh, mais ils sont tous très polis dans le jeu. It's not there, they don't drink. What? Look at yourself! Oh, l'accueil de fou. Oh, hi. So nice of you to come by. The name is Nostradamus. You. Why are you hoarding in here? Anything. Putain, faut vraiment le faire partout. Il y a plein de petits trucs cachés. Hein. C'est sympa. Bon, ça, c'était... La porte du placard. Ok. Voilà. Ah, mais on peut péter la porte direct. Je m'emmerde à l'ouvrir. Voilà. Oh, excellent. Voilà. Et tabasse fort. Pas casser le mobilier, c'est dommage, par contre. Oh. Allez, mort la télé. Alors. Yes. Dessous. Ah, il n'y a que celle-là. Dommage. Ok. Oh, j'aime bien quand il y a une porte. Bon. Pas fait exprès, mais ok. Peut rien prendre d'autre. Non. J'aime bien quand on peut farfouiller partout comme ça. Ouais. Oh, l'autre aussi. Voilà. Truc de recyclage. Bon, un par un, je vais pas chier loin, mais... What excellent. The fuck is going on here? Am I supposed to be a vampire priest or a Harry Potter? Italian model, straight from the dealer. How much do you want for it? Just go away. Oh yeah. Radio. Yeah. Switch camera. Ok, vie intérieure, vie extérieure. C'est quoi ça? Unbreak? Je sais pas ce que c'est le unbreak. Oh, wow, what the fuck? Ah, frein à main, je suis con. Unbreak, ok. Vas-y, on peut écraser les mecs avec. Ah ouais, là, il y a des mines. Est-ce qu'on peut casser les barrières, moi? Ouais. Ouais, très bien. Ah, mais ça les tue pas, ça les inverse. Ah, oups. Sur le véhicule. Ah non, il y a de l'essence par contre. Je suis bloqué, aidez-moi. Débloquer le véhicule. Je me suis bloqué le véhicule. Ce jeu, il est taré. Oh, il souffle au seuil. Ah ouais, d'accord, quand elles se blessent entre eux, ça finit par se... Oh bon, on va laisser s'entretuer. Voilà, de toute façon, au final, il y en aura plus que deux. Allez les débiles, foutez-vous sur la gueule. Allez, pousse-moi le véhicule. Right. Bon, c'est bien,
faire, mais je peux pas. Comment mon véhicule, comment je l'ai récupéré? Attends, R. Ah, voilà. Non, pas encore, si. Ça y est. Pardon. Ok. Ça c'est bien, c'est marrant. C'est excellent. Ah ouais, franchement, c'est excellent. On peut écraser les autres. Oh là là. Ah ouais, le frein à main. Ah, il m'en faut pas, grand chose. 460 mètres, ok, je veux bien. Ah bah là, on va pouvoir se balader dans toute la ville. Ok, donc là, faut remplir un pentacle avec des bougies, une machine à laver et un micro-ondes. Eh non, mais ils sont sérieux, mais ils sont éclatés dans ce jeu. Et franchement, tous les grands délires qu'ils ont voulu me faire, bah, ils les ont mis en jeu, quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by his Holy Spirit. J'adore, mais j'adore. Motherfucker. On peut plus jouer avec. Fight the Ender. Allez, dégage. Good for you. J'adore. Ah, you missed. Excellent, on peut faire des doublés. You moron. You moron. Je joue au bowling. Il est où? Il est où? Santa Maria, mamma mia. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Leave no crust unturned. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, pardon, oui, retournez la croix. Leave. I did the right thing. Ok. Easy, ma gueule. Oh, premier exercice. Alors, c'était n'importe quoi. Ok, mais bon. Okay. Fallait tout défoncer, péter les totems. New Black Metal. Ok.